Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et bonsoir cher Julien. Bonsoir. On se retrouve de temps en temps pour évoquer en fait les avancées de Gingface. Hein. Voilà une belle pépite franco-américaine que l'on suit avec beaucoup de plaisir dans Tech & Co, fondée en 2016. Rappelons que vous êtes en fait spécialisé dans le partage et la création d'applications et de modèles IA open source. Vous êtes un peu une marketplace de l'intelligence artificielle, hein, pour schématiser. C'est gratuit. Et puis après, vous faites payer, on va dire, la maintenance de ces modèles d'intelligence artificielle que je choisis, moi, en tant qu'entreprise. Pour résumer, c'est ça ? On est d'accord ? C'est ça. Effectivement, depuis quelques années, on a accumulé et on continue d'accumuler la plus large collection de modèles d'IA open source à l'état de l'art. On approche des 500 000 modèles. Mm-hmm. Et donc ces modèles qui sont créés par les grandes entreprises de la tech, les universités, les labos de recherche, la communauté au sens large, sont à disposition de tous, sont téléchargeables et utilisables conformément à leur licence open source, en quelques instants. Voilà, avec une belle levée de fonds, c'était en septembre dernier, de 235 millions de dollars, donc tout va bien, hein. Enfin voilà, vous êtes un peu le chouchou des investisseurs et vous avez une vraie vision, et ça paye. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un partenariat qui est très 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 important pour vous. C'est ce partenariat que vous avez noué avec Google Cloud. Alors, expliquez-nous pourquoi Google Cloud et qu'est-ce que ça va changer en fait dans la structure de Gingface et surtout pour vos clients. Alors vous avez mentionné notre dernière levée de fonds effectivement cet été où les plus grandes entreprises de la tech étaient rentrées au capital, donc Amazon, Microsoft et Google et plein d'autres, je ne vais pas toutes les reciter. Et donc l'étape logique c'était d'être des partenaires avec toutes ces entreprises. Alors pour Amazon c'était déjà le cas depuis des années, pour Intel, AMD, etc. c'était le cas. Il en manquait une. Notable, effectivement, c'est Google. Donc on est content de pouvoir travailler avec eux maintenant. L'objectif, je pense, commun, c'est un petit peu toujours le même, c'est de permettre à tous les utilisateurs d'utiliser, de travailler avec nos modèles, quel que soit leur environnement. Donc quel que soit le cloud que vous utilisez, quelle que soit l'infrastructure que vous utilisez, vous devez pouvoir le faire de manière simple, de manière fluide, on va dire. Et scalable, et au meilleur coût, en profitant des accélérateurs hardware qui peuvent être disponibles. Google est assez connu sur ces sujets-là. Voilà, donc on commence à travailler, à intégrer nos modèles. Et vous travaillez avec les autres géants, en fait. Bien sûr, oui. Amazon, OVH, etc. Enfin, de la même façon qu'on a intégré notre écosystème open source sur AWS, par exemple, sur Azure. C'est même d'ailleurs bizarre que vous arriviez si tardivement sur Google, non ? Dans l'absolu. Alors, lequel des deux a tardé, ça ? Oui. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous, on a une philosophie open source qui se traduit techniquement, mais je dirais aussi intellectuellement, où on est ravis de signer le maximum de partenariats avec le maximum d'entreprises, pour que, une fois de plus, quels que soient vos choix de cloud ou de hardware, eh bien, vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc, bienvenue à Google dans l'écosystème Hugging Face. Ça a mis un petit peu plus de temps que ce qu'on pensait, mais on est très content de travailler avec eux maintenant. Alors, on va parler de Vertex AI, parce que, évidemment, tout ça va se mettre en place d'ici le premier semestre 2024. Mais c'est vrai que ce que vous faites est assez abstrait et c'est pas mal de donner de temps en temps des exemples. Ouais. Hein. Je suis une entreprise lambda, je veux me lancer dans l'intelligence artificielle, je viens chez vous en fait, hein, dans votre magasin, c'est un peu comme un App Store, hein, finalement. Oui. Enfin voilà, mais voilà, ça gratuit. S'appelle, gratuit. Oui. En ce moment, vous remuez le couteau dans la plaie pour Apple. Et donc moi, en tant qu'entreprise, je vais pouvoir chercher le modèle d'intelligence artificielle qui correspond à mes besoins. Tout à fait. Je passe la plupart de mon temps avec des clients. Entreprise ou donnez-nous un exemple, par exemple. Du secteur public. Écoutez, alors, pour être totalement transparent, j'étais encore à Dublin ce matin, donc j'ai passé 3 jours en Irlande à rencontrer des clients, alors avec Amazon en l'occurrence. J'ai rencontré une compagnie aérienne irlandaise, dont on peut assez facilement deviner le nom, qui veut... Ça commence par Ryan et ça finit par R, c'est ça ? Pas impossible. qui veut optimiser son support client.
parce qu'évidemment, une compagnie aérienne, ça a beaucoup de clients, ça a des avions en retard, et voilà, ça peut avoir des soucis. Bon, et les call centers coûtent cher, sont très difficiles à scaler, il faut mettre plus de gens, il faut les former. Donc, ils le font, mais c'est difficile. Donc, une solution, c'est de se dire, est-ce que je peux faire un chatbot que j'intègre sur mon appli mobile, sur mon site web, qui est capable de répondre à... 50%, 60%, 80%. Oui, ou alors aiguiller au bout d'un moment vers un humain. Ou alors à un moment, dire, écoutez, voilà, je vous ai donné un premier niveau d'information, mais là, la question est trop spécifique et je vous oriente vers quelqu'un, mais qui aura déjà le contexte et qui, espérons-le, est capable de vous répondre rapidement. Donc, vous dites, espérons-le, vous n'en êtes même pas sûr, vous, hein, parce que c'est vrai que les chatbots, parfois... Même parfois les call centers. Hein, bon, les humains ne sont pas parfaits, oui, mais bon, les modèles au bout d'un humain. Mais vraiment, ces modèles maintenant, je sais que les chatbots ont été assez... Mais avec l'IA générative, on passe une autre étape quand même. On passe une autre étape et de manière générale, les clients cherchent à automatiser, accélérer leur processus métier. Ça peut être des processus back-office classiques, ça peut être traduire des documents, résumer des documents, classer des documents, vérifier automatiquement que les documents ont été signés, que les cases ont été cochées, etc. etc. Donc il n'y a pas un secteur où vous n'avez pas une solution finalement. Alors, c'est ce que vous disiez, vous avez 500... Trouvez-moi un client, voilà, je le cherche toujours, hein, je lance un grand appel. si quelqu'un aujourd'hui nous écoute... Et n'a pas la solution sur GameFace... n'a aucun souci de processus métier ralenti par du traitement de documents manuels ou de manière générale des processus manuels, qu'il m'appelle, qu'il se manifeste, je serais ravi de l'intégrer dans mes slides, mais sincèrement pour l'instant, non. D'accord. Je pense que, et c'est la valeur qu'on amène à nos clients, c'est de dire, on a des modèles multilangues. Vous êtes avant tout un conseiller en IA finalement, donc, voilà, c'est ça hein. Venez avec votre problème et vous allez probablement trouver des modèles qui sont un bon point de départ. Alors, parfois ils marchent tels quels, parfois il faut continuer à les travailler un petit peu. Mais une grosse partie du travail est déjà assurée par ces modèles pré-entraînés. Donc, on revient avec ce partenariat avec Google. Ça veut dire que d'ici ce premier semestre 2024, les modèles GameFace seront disponibles dans Vertex AI, qui est l'offre d'intelligence artificielle de Google. Oui, qui est on va appeler ça le service de machine learning et d'IA de Google, un service managé. On pourrait tout à fait aujourd'hui sur Google utiliser des modèles GameFace. On lancerait une machine virtuelle, on téléchargerait un modèle, on l'entraînerait, etc. Mais il y a toujours un peu de plomberie, il y a toujours un peu trop de travail à faire. Et le but de ces partenariats, tels que ceux qu'on a fait une fois de plus avec Amazon, Azure, on a un autre partenariat avec Nvidia en cours, etc. Et maintenant Google, c'est vraiment de dire on va bâtir un environnement technique simple et accueillant, escalable. Et efficace en termes de coûts, pour vous débarrasser de toutes ces tâches techniques peu intéressantes et vous permettre de vous concentrer sur votre problème métier, l'évaluation des modèles, l'entraînement des modèles, etc. Effectivement, on va le faire dans Vertex. Voilà, et ça arrive d'ici ce premier semestre. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Venu nous présenter tout ça. Mention, bonus, et franchement, j'adore votre t-shirt, parce que I fail the Turing test. Oui. C'est pas mal quand même, rappelons. Vous savez qu'à chaque fois que vous m'invitez, mon seul stress, c'est quel t-shirt est-ce que je vais porter. Et bien voilà, alors, celui-là pour vous. Celui-ci me plaît beaucoup, parce que le test de Turing, c'est un test qu'on passe à une intelligence artificielle pour voir si elle est, un humain arrive à discuter avec elle. Et donc vous l'avez raté. Je l'ai raté. C'est ce qui fait que vous faites beaucoup moins bien que l'intelligence artificielle. Oh oui. Et j'adore ce petit humour bien sympathique. Merci beaucoup. Merci Julien Simon, donc évangéliste technique chez Hugging Face.